Demain nous appartient, spoilé, Audrey a-t-elle été empoisonnée? Oma, Jordan, Maxime Lelu, répond à un message de Jaya, Nastasia Kruj, lorsque Noah, Tristan Jéram, vient le disputer. Il estime que son collègue ne fait rien alors qu'ils ont beaucoup de travail à abattre. Le ton monte rapidement entre les deux jeunes hommes. Excédée, Judith, Alice Varela, intervient. Elle n'en peut plus de leur dispute et aimerait que Noah arrête avec ses sous-entendus. Le mât rencontre déjà suffisamment de problèmes comme ça pour qu'ils en rajoutent. Au commissariat, Justin est interrogé par Matin. Il lui assure avoir voulu jeter un œil à la fête mais ne pas y être resté. Sauf que de l'argent liquide a été retrouvé dans sa salle de bain. Acculé, il avoue avoir volé cet argent au mât mais estime qu'Alex le lui devait bien, puisqu'il s'était engagé à le garder au rachat du mât mais n'a pas tenu parole. Mais il assure n'avoir aucun lien avec l'explosion. Après avoir volé l'argent, il a d'ailleurs remarqué un homme observer Alex, mais ne l'a pas bien vu. Martin ne le croit pas et décide de le placer en garde à vue. En fin de journée, au Spoon, Bart, Hector Langevin, fait les comptes mais ce n'est pas la panade. À cause de l'article sur le mât, il n'a vendu aucune huître, les clients ne veulent rien savoir, cela lui fait donc des pertes sèches. Il en offre néanmoins à Audrey, Charlotte Gaccio, à la fin de son service. Alors que les rousselles sont sur le point de passer à table, Audrey en mange une. Mais très vite, elle commence à se sentir mal, avant de faire un malaise.